Oh, bonjour. Dans cette capsule vidéo, je vais expliquer ce qu'on est allé faire au laboratoire sur la force centripète et ce qu'on devrait trouver dans votre rapport de laboratoire et la façon de traiter les données. Je vais circuler entre trois documents, le guide des travaux pratiques, la grille de correction pour ce rapport-là et le tableau Excel. La force centripète. Bon, ici on a le montage que vous avez déjà vu. On a une masse ici qui, dans le tableau, elle est appelée la masse noire, mais vous avez bien vu qu'elle n'est plus noire. Elle est couleur bronze. Elle est en ce moment amenée à la verticale. Il y a une corde ici. Elle est tenue à la verticale. Ici, il y a un ressort qui tirerait sur elle. Ce qui fait qu'elle est tenue à la verticale, c'est qu'il y a une masse ici qui crée une tension dans la corde qui annule exactement la force du ressort. Donc, notre façon de calculer la force développée par le ressort, c'est le poids suspendu ici. Donc, la masse fois la constante d'accélération gravitationnelle, 9,81 plus ou moins 0,01 mètres par seconde carré. Lorsqu'on va enlever cette masse-ci, le poids suspendu, ben, c'est le ressort qui va gagner et la masse va revenir d'une certaine distance. C'est à ce moment-là qu'on va mettre le système en rotation et par son inertie, la masse, un peu comme si vous faisiez tourner une masse au bout d'une corde, vous lâchez la corde, il n'y a plus de corde qui force, qui contraint la masse à suivre le mouvement circulaire. La masse continue sur sa dernière tangente. Ben, ce qui va arriver, c'est que cette masse-là, si elle n'était pas retenue par le ressort, ben, elle partirait par la fenêtre. OK. Au début, on va faire tourner lentement, puis à un moment donné, on va arriver à une vitesse telle que la masse va, il va y avoir une force, par son inertie, va vouloir s'éloigner, mais va être toujours retenue par la force du ressort telle qu'elle va nous apparaître être de nouveau à la verticale. Donc, elle sera partie d'un angle comme ça, et quand on aura atteint la bonne vitesse, elle sera à la verticale, et là, on saura que la force centripète qui la contraint à continuer de faire le tour, c'est celle qui est faite par le ressort. C'est celle qui est développée par le ressort. Or, nous, dans cet appareil, dans ce montage-là, dans cette expérience-là, on veut vérifier que la force centripète, c'est bien la masse M, la masse qui est ici mise en rotation, non pas les masses suspendues, la masse mise en rotation fois l'accélération centripète. Or, dans notre module précédent sur la cinématique, on a développé une formule pour l'accélération centripète. On a prouvé que l'accélération centripète, c'est V carré sur R. V, la vitesse de rotation, divisé par R, le rayon sur lequel la masse tourne. Vous aurez fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs différentes de rayon. Vous aurez trouvé 6 valeurs différentes de temps moyen avec des incertitudes. Bon, en fait, ça, c'est le fichier que je vais vous envoyer sur lequel vous allez travailler. Vous allez calculer l'accélération centripète en utilisant cette formule-ci. 4 pi carré fois R, ce rayon-là, divisé par 100 fois le carré du temps moyen. Pourquoi ce 4 pi carré et pourquoi ce 100? On sait que l'accélération, c'est V carré sur R. Or, V, c'est quoi? C'est une distance. La distance, c'est une circonférence, 2 pi R au carré, ça fait 4 pi carré R. Divisé, V carré sur R, qui fait disparaître le R, divisé par 2 pi R sur T au carré, ça fait 4 pi carré R carré sur T carré. Maintenant, le T carré est ici. Pourquoi le 100? Le 100 est ici parce qu'en réalité, ce qu'on va mesurer au laboratoire, ce n'est pas une pleine période,
c'est seulement un dixième de période. Alors, quand on va multiplier le chiffre par 100. L'accélération centripète va être mise ici. La force, c'est celle qui est développée dans le ressort, mais on l'a évaluée au moyen des masses suspendues, donc la force développée par le ressort va être égale à la masse fois la constante G. Pour chacun des rayons, il y aura une certaine masse, donc il y aura une certaine valeur de F. Et il y aura une valeur de A. On est donc ici en présence d'une formule qui est la force centripète égale la masse. Quelle masse? Celle qui est appelée masse noire, mais qui n'est pas une masse noire, qui est couleur bronze. MA. AC étant F. Donc, vous aurez un graphique à faire des accélérations, de la force, pardon, en fonction de l'accélération. Donc, F sur l'axe vertical égale MA. A, c'est l'axe horizontal. C'est bien l'équation d'une droite. Normalement, si notre formule pour l'accélération est bonne, on devrait trouver une droite. Notre hypothèse, donc, est que si on a utilisé cette formule-ci pour l'accélération et la force du ressort calculée de cette manière-là, notre hypothèse, c'est que ça devrait être une droite. Et vous allez faire comme dans le laboratoire précédent. Vous allez demander une courbe de tendance linéaire et si le coefficient de détermination R carré est très élevé, ben ça va vous dire que vous avez confiance, vous pouvez avoir confiance que votre hypothèse était bonne. Et pourquoi c'est important? On est arrivé, on a montré en cinématique que l'accélération centripète, quand la vitesse est constante, l'accélération devait être V carré sur R. On a retravaillé un peu pour arriver à cette expression ici. Mais c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que cette expression-là pour la vitesse centripète, l'accélération centripète, a été trouvée dans les années 1600 par des collègues d'Isaac Newton. Et si on prend une planète qui tourne autour du Soleil, Kepler avait trouvé dans sa troisième loi que le carré du rayon de l'orbite, le cube du rayon de l'orbite, était proportionnel au carré de la période. Or, quand on joue avec tout ça, on a fait l'hypothèse, et c'est des collègues de Newton qui ont fait l'hypothèse, ce qui tient le rôle de force centripète, c'est la force gravitationnelle. Selon la deuxième loi de Newton, MA, l'accélération, si elle est en V carré sur R, et que le V carré, ben, c'est l'accélération comme ça, et que le R, on peut le mettre en relation, en prenant le cube, on peut le mettre en relation avec le carré de la période. En jouant avec toutes les unités de ça, j'en aurais discuté dans un des cours, ben on arrive qu'en jouant avec les unités, il faut que la force gravitationnelle soit une force qui décroît en 1 sur le carré de la distance. Et c'est des collègues, Robert Hooke, de Newton qui ont à annoncé ça à Newton. Newton n'a jamais admis que quelqu'un l'avait aidé à trouver ça. Bon, Newton était un grand génie, n'était pas toujours très élégant dans sa façon de traiter ses collègues. Donc, vous aurez ce graphique-ci à faire et à remplir avec les droites extrêmes. Pour l'incertitude sur les masses, vous prendrez 0,3 grammes que vous mettrez en kilogrammes ici, et voilà pour le temps et toutes ces choses-là. Revenons maintenant donc à la grille de correction. Vous allez prendre le schéma du montage. Pour ça, vous pourriez tout simplement copier ça et rajouter, si vous avez à rajouter des informations, parce que vous allez avoir à décrire les manipulations, bien, vous devrez les ajouter sur ce schéma-là, vous pouvez le copier et rajouter quoi que ce soit dont vous aurez besoin pour ce qui vous est demandé ensuite. C'est les grands points des manipulations, les décrire en référence au schéma du montage. Vous aurez à répondre à cette petite question-là, quel rôle joue le ressort? Tableau des résultats, comme on a fait précédemment, les exemples de calculs requis, graphiques avec barre d'erreur, toutes ces choses-là.
que représente la pente du graphique? F égale MA dans notre équation de la droite. Que représente la pente? Et vous allez répondre à une question sur la méthode scientifique. À quel segment de la méthode scientifique notre obligation de décrire notre schéma et nos manipulations se rapporte-t-elle? Et en quoi est-ce important? Vous aurez d'ici là eu une présentation en Zoom, mais également dans YouTube, sur un document que vous avez dans Moodle, un document sur la méthode scientifique. J'en aurais fait une présentation dans une capsule YouTube. Vous étudierez ce document-là et vous répondrez à cette question-là dans ce rapport de laboratoire. Je répète encore une fois, le rapport, je dois trouver dans Moodle, pour chaque équipe, un fichier Word ou PDF, qui est le rapport, incluant tout ceci, la copie du tableau, la copie du graphique, et également votre fichier Excel dans lequel je pourrais aller vérifier que vous avez correctement utilisé les fonctions d'Excel. Je répète, ce n'est pas optionnel. Il faut vraiment utiliser les fonctions. Si on n'utilise pas les fonctions, on peut perdre jusqu'à 10 points sur le laboratoire. OK, alors je termine ici cette présentation de ce qui doit se retrouver dans le rapport de laboratoire sur la force centripète.